mesdemoiselles et vous, messieurs. Pour votre oui, je vais me décrire. Laissez-moi faire pour votre plaisir. Je suis ici pour vous divertir. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Je parle aux êtres féeriques pour vous créer un instant unique. Vous apprenez toutes mes techniques et vous vivrez des moments magiques. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Si vous souhaitez de profonds changements, venez à moi, écoutez mes serments. J'use de mes charmes et de mes talents pour vous offrir une femme et des amants. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Les chers gens, oubliez votre dette et libérons ensemble la bête. Venez avec moi chanter à tue-tête, boire des bières et faire la fête. Pourquoi attendre demain matin? Vous avez dit que vous aviez quelque chose à nous remettre, ou en tout cas nous parler. Quelque chose que vous voulez nous parler. Et... nous sommes tous les cinq. Nous sommes... personne d'autre est dans l'auberge. Oui. Pourquoi ne pas en parler maintenant? Ah. Thalys, eh bien, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que vos mentors vous ont demandé de vous rejoindre dans un endroit secret. J'ai pas besoin de le citer puisque vous l'avez tous lu, je pense. Je jette un coup d'œil à la table, voir s'il y en a qui tiquent ou s'ils semblent tous être d'accord avec ça. Non, moi j'ai rien. Ouais, rien dans les yeux de Thalys non plus. Mais ça, tu le sais déjà. Il faudrait faire un jet de perspicacité pour voir pour Anna. Vas-y. La même lancée. Ça dit rien à Anna. Du coup, il vous dit, bon, d'accord. La forteresse cachée, ça vous dit quelque chose? De Mistranthrios. C'est exactement là où je dois me rendre. Thalys, qui n'a absolument aucune notion du secret et de la tromperie. Vous devez rentrer dans l'ordre rouge si vous réussissez dans les prochains temps, n'est-ce pas? Si Alana nous en juge digne, en tout cas, c'est mon objectif. Eh bien, sachez-le, d'après vos mentors, je dois prendre en charge votre journée de demain. Du moins, vous indiquer quelques petites choses à faire. Ça, c'est simple. Je suis censé vous faire visiter Vercol. What? Ça paraît un programme intéressant. Où se trouve la forteresse étant... par rapport à nous? Enfin, par rapport à Vercol? Là, pour une fois, je suis d'accord avec avec Thalys, enfin, la Claire. Je suis quand même plus intéressé par une forteresse cachée que pour visiter la ville d'où je viens. Oui. Somme toute, n'a rien de très intéressante. T'as déjà eu l'occasion de visiter?
J'y suis passé, j'y ai dormi une nuit. Je me suis baladé un peu. C'est un bourg, tout ce qu'il y a de plus classique. Vraiment, rien d'intéressant à première vue comme ça. Disons que vos mentors aimeraient que vous ne profitiez pas forcément de cette journée pour visiter, même si ça peut être bien de visiter une petite bourgade. Mais c'est surtout pour que vous passiez du temps ensemble avant de partir les rejoindre à la forteresse. Et d'accord. De toute façon, vos mentors ne vous attendront pas demain, mais pour d'après, là-bas, vous partiriez pour rien. C'est vous qui nous menez à la forteresse ou vous allez simplement nous indiquer la direction? Parce que moi, je sais pas du tout où ça se trouve. Non, en fait, vos mentors sont censés venir vous chercher ici pour vous y emmener, mais... Oh, bien vu le temps qu'il fait, je sais pas si c'est nécessaire de faire le tour de la ville, mais... Pourquoi pas? Mais je pas pourrais faire le tour avec mon tronc à offrande, il y aura peut-être des gens généreux. Oui. Ah oh bah vous moi savez... je commence à lever les yeux au ciel quand elle commence à parler de son tronc à offrande. Vous dites qu'ils vont venir ici? Oui, ils vont venir ici pour venir vous chercher et vous emmener jusque parce que comme je vous l'ai dit, c'est une forteresse cachée donc a priori elle est cachée. Dans la missive que j'ai reçue, il semblerait que nous attendent là-bas avec un questeur. Oui, effectivement, vous devriez avoir quelqu'un qui va peut-être examiner ce que vous êtes capable de faire. C'est une épreuve. Ouais, enfin, vous savez, moi j'en sais rien. Je sais juste qu'ils vont venir, non pas demain, mais le jour d'après, venir vous chercher pour vous amener là-bas. Est-ce qu'ils vont tous venir? Je n'en sais rien. Donc peut-être que vous en retrouverez plutôt là-bas. Effectivement, Alnar, s'il vous a dit ça, c'est que lui ne va pas venir vous chercher. Hein. Est-ce que Alnar se retournera et regardera le groupe en disant... Sur le chemin, on a pu récupérer... quelques cimetières, c'est ça? Ah oui, c'est Eric. Vrai. Bah, du coup, ouais, ils sont dans la chambre, mais oui. Une dizaine. Est-ce que cela vous intéresse? Bah, tout simplement aller les vendre en ville. Une dizaine de cimetières? Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Du coup, Alnar sortira les différents brassards. Des gens nous avons rencontré des brigands en chemin. On a été obligé de les désarmer pour... Ouais, regard appuyé à Ilana. Donc l'idée, effectivement, c'était de voir si l'un d'entre vous en avait l'utilité, sinon de vendre le reste. Grand Dieu, non. J'espère ne pas avoir l'utilité d'armes dans ce qui nous attend. En tout cas, pas ce genre d'armes. Je ne saurais pas m'en servir. Mais merci de proposer. Mais parce que vous avez fait tout le chemin sans encombre. Hein. Ça avait l'air d'être un peu risqué. On a croisé différentes choses sur la route. Un cheval à moitié mort. Effectivement, la région n'a pas l'air très sûre. Mais nous sommes dans les mains d'Aliana. Nous avons eu des soucis sur la route. C'est étonnant que vous ayez croisé vous-même des bandits sur la route que nous avons rencontré plusieurs semaines auparavant. Oui, la région a l'air bien dans la tourmente en ce moment. Ouais. Apparemment, il y a pas mal de soucis avec des bandits. Et des loups, d'ailleurs. On nous a parlé de loups aussi. Je dirais plutôt les gardes. Ouais, j'aurais plutôt dit la milice un peu zélée et des bandits. Vous avez eu des problèmes avec les gardes? Nous, ils nous ont aidés. Ah bah nous, ils nous ont pas aidés. Non, mais je... L'Empire, il se préoccupe pas trop de ce principe de la carte. Effectivement. Et malheureusement, il y a bien peu de monde dans les rangs de la milice ou l'armée de la communauté. Il y a du matériel adéquat. Espérons que ta générosité hier leur permettra de faire du meilleur travail. C'est ce que j'espère, mais
Je ne suis pas aussi confiante que toi. Ils en feront bon usage. J'espère que les hommes dont vous parliez ne sont pas les mêmes que nous avons rencontrés. Sinon, j'ai le regret de vous dire que ces derniers n'ont pas survécu. Ils étaient deux ? Et un blessé ? Nous en avons vu trois dans un premier temps, et puis deux, effectivement, après. Du coup, elle a l'air un peu embêtée, Athalys. À l'idée que les gens ont pu... qu'il y a pu avoir altercation. C'était certainement pas les mêmes. Hein. C'était un petit coup de Alnar. Hein. J'espère. Parce que ces gens-là ont femmes, ont sûrement des femmes et des enfants. Sûrement. Disons que les deux derniers n'ont pas eu la chance, mais grâce à eux, nous avons pu survivre. Enfin, grâce alors, à leur sœur. C'est que c'était les voix d'Aliana. Et donc, quelles sont vos compétences ? Oui, c'est ça. Impénétrable. Quelles sont vos compétences pour l'Ordre Rouge ? Anna regardera le groupe. Moi, j'espère pouvoir... Alors, Athalys, comme elle voit qu'il y a un blanc, elle comble. Hein. Elle est absolument pas consciente que ça pose un problème de confidentialité ou quoi. Donc elle dit, moi, j'espère pouvoir me rendre utile en guidant les âmes et en appuyant la foi des compagnons qui me seront assignés. Et puis, peut-être en les soutenant du mieux que je peux. Bien. Ben moi, pour ma part, j'essaie de faire en sorte qu'on évite d'en venir aux mains, on va dire. Oh, je préfère toujours qu'on évite d'en venir aux mains. Ça, c'est une belle mission. J'approuve également. Pas toujours facile. Il faut dire que dans mon métier, en venir aux mains n'est pas très respectable. Ah oui, quel est le métier ? Oh, je suis juriste. Et d'ailleurs, partir en voyage pour apprendre les différents systèmes judiciaires du royaume de Pangée, je suis tout émoustillé. Les systèmes judiciaires ? Oui. Alors là, tout elle à est fait. Perplexe, Athalys. Elle voit pas trop comment ça peut être passionnant. Très long. Moi, je ricane dans mon coin. Oh, mais dans la pratique, vous voyez qu'il fera quelques gestes avec une incantation et une note de musique, quelques notes de musique apparaîtra. Je maîtrise un petit peu la magie, on va dire. Comme c'est charmant! Elle adore Athalys. Ben, il semblerait que je sois là. Les rares cas où nous devons en venir au monde. Mon bras et mon âme servent à bien. Et nous serons fiers et heureux de pouvoir compter sur toi, Ilyena. Je vais jamais y arriver. Bon, c'est pas grave. Illy, nous serons frères, fiers de pouvoir compter sur toi, Illy. Avec un grand sourire. Très noir. Non, bon, d'accord. J'essaierai autre chose. Du coup, vous entendez une sorte de hennissement, visiblement à un cheval, et vous entendez. Alors, avant même que tu sois sorti, tu entends un gros hurlement, visiblement d'un ogre, et un petit bruit de chien qui vient de se prendre un coup. Alors pour le coup, Athalys, elle donc, va suivre. Moi, j'ai pas bougé. Moi, je cours dehors. Athalys, elle dehors. Suit. Ouais, elle suit Lana. Elle la laisse pas partir seule. Moi, j'ai pas bougé. Moi, je cours là où on a laissé ce captif en fait. Et du coup, quand vous sortez, j'imagine que Ilana va au pied de Léa, du coup. Je vais direct à l'étable. Bah, Thalys, elle va arriver un peu après, mais elle suit. Tu vois qu'il a dû certainement, ouais. Qu'il a certainement dû prendre un petit coup. Mais il n'y a plus de danger autour.
Et en ce qui concerne Skapti, il est en train de ramener les loups à leur point de départ en disant « Allez, revenez là-bas, vous avez rien à faire avec le cheval. » Du coup, moi, je calme Olia, qui, à mon avis, est paniquée. Elle est un peu paniquée et très fatiguée. Là. Je regarde si elle est blessée, et si elle est blessée, je vais forcer ses blessures en premier lieu, parce qu'elle a déjà souffert aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ici? C'est Skapti, ça? Ouais. D'accord. Bah quand je vois que Skapti la remet en là où il doit être, je vais aller voir je vois où sont allés Ilana et Atalise, hein, voir le cheval blessé. Bah je vais aller voir comment va le cheval, voir s'il y a eu du dégât ou quoi que ce soit. Moi je vais aller voir Skapti pour aller. Du coup tu vois que le cheval n'a pas forcément eu de sûr, ça reste à... Il a dû se faire un petit peu grignoter la patte, mais Skapti a dû intervenir assez vite, ce qui fait que ça va. Mais par contre, le cheval, oui, a eu peur, parce qu'il a quand même eu les loups qui l'ont un petit peu surveillé, donc et attaqué, donc ça l'a un petit peu chamboulé. Du coup, Atalise, elle s'interroge à voix haute, elle dit « Étonnant que ces demi-ogres gardent des loups à l'intérieur du village. » Je suis désolé, c'est les deux loups que j'ai amenés, que j'ai confiés à Skapti. Je pensais qu'il allait les garder pour la nuit. A priori, pas plus de peur que de mal. Hein. Je regarde le cheval, apparemment qu'il n'y a pas grand-chose de ce que tu dis. Alors, tu peux voir que peut-être qu'il n'a pas grand-chose de récent, mais qu'il a souffert, enfin, il a été blessé récemment parce qu'il a des bandages. D'accord. Je peux faire un petit... Enfin, je peux essayer de le rassurer, de le calmer, de l'apaiser un petit peu. C'est calmé avec ma présence. Ok, d'accord. Du coup, Atalise, elle va faire un geste pour essayer de calmer Ilana, du coup. Parce que du coup, sans doute que c'est Ilana qui est énervée. Et effectivement, le geste, bah, je vais commencer ma phrase avec un ton un peu élevé, puis quand tu vas me toucher, genre, je vais descendre de la même danse que je fais. Et vous vous baladez souvent avec des loups. Alors moi, en entendant, j'ai entendu que le ton commençait à monter, donc je suis sorti... À cause des murs très fins. Voilà, et puis surtout, j'ai l'ouïe assez fine. Du coup, je suis sorti voir ce qui se passait, et c'est que des loups, il suffit de les tuer, et puis l'affaire est réglée. Je vais te jeter un regard noir, mais vraiment limite haineux, quand qui va durer pas forcément longtemps, mais et je vais revenir à ce que disait Ilana, je veux dire en ville, non, tu ne me balades pas avec des loups habituellement. Là, j'ai proposé à Skapti de les laisser à l'extérieur, il m'a proposé lui de les laisser là et de s'en charger pour la nuit. C'était peut-être une erreur, mais je pensais qu'il allait réussir à les garder. Mais je m'en charge pour la nuit et je vous laisse. Il n'y aura pas d'autres soucis pour la nuit. Ouais, s'il y a un autre souci, j'ai des carreaux tout près dans ma chambre qui attendent que de se loger dans leur tête. Oulala, oulala! Que tout le monde se calme! Aucun animal ne doit mourir ici. On va pas démarrer comme ça. Ouais, écoutez, s'ils sont pas capables de rester tranquilles dans leur coin, la meilleure solution, c'est de s'en débarrasser. Et je pense que c'est valable pour chaque membre du groupe. Mais Erin a dit qu'il allait s'occuper de la situation. Si on a un qui pose problème, je suis tout disposé à m'en débarrasser aussi. Alors là, pour le coup, okay. Atalise, ça lui a cloué le bec. Elle était sur le point de dire que tout allait bien, nanana et tout. Et quand tu parles de tuer des gens, elle referme la bouche, genre. Nana, elle va prendre une grande inspiration. S'il vous plaît, 4-5 secondes, je ne pense pas que nous devons arriver à ceci. Mais Erin, j'aimerais savoir l'utilité de se balader vers un dehors du jeu avec deux loups. Ce sont des alliés comme les autres, je ne vois pas la différence. Ils sont apprivoisés ? Ils ne voient pas la différence. Ils commencent à l'être.
T'es avec nous, Alnar? Non, justement, je suis en train d'aller tirer les oreilles à ce Skapti. D'accord, ok. De son côté, Alnar, quand tu rejoins Skapti, tu l'entends sermonner les loups, essayer de mettre une sorte d'enclos pour les maîtres, qu'il a un petit peu de fortune, mais bon, effectivement, pour tenir des loups, c'est un petit peu juste. Du coup, il essaye de consolider au mieux pour les enfermer. Ah, excusez-moi, j'ai cru que ça tiendrait, mais ils tiennent pas en place. Votre ami, il m'a dit qu'il les avait dressés. Et encore du boulot, hein. Bah, on n'en doute pas, mais quand on vous demande de garder des animaux, il faut les garder. Vous les avez nourris au moins? Bah oui, ils ont bouffé mon assiette. Ouais, bah, il semblerait que ce soit pas suffisant. Ouais, bah, c'est le repas d'un ogre quand même, hein. Bon. Mais en même temps, il faut dire que l'odeur du sang, du cheval, je pense que ça a dû piller un petit peu. Ouais, bah, essayons de voir faire quelque chose. Je suis malheureux que ce pauvre cheval ait été blessé aussi. Bah, par votre faute, du moins. Ah, bah. Il était déjà blessé avant d'être là, hein. Je pense que sa propriétaire aimerait qu'il guérisse et non pas qu'il périsse. Ah oui, puis en plus, elle m'a fait un sourire tout à l'heure. Ah non, c'est l'autre. Ah non, c'est l'autre. Ah mais elle aussi, elle m'a fait un sourire. Eh ben, si vous voulez avoir les bonnes grâces de ces dames, il faut leur faire la cour, monsieur. Je suis sûr que vous pouvez lui apporter un petit cadeau, ça lui fera grandement plaisir, j'en suis persuadé. À l'une ou à l'autre, bien sûr. Ouais, bah, j'ai quelques petits cadeaux dans le jardin, je devrais trouver ça. J'en suis persuadé. Je vais rentrer demain matin, parce que là, sous la pluie... Est-ce que vous avez une carcasse d'animaux ou quelque chose? Oh, je suis sûr qu'ils ont ça dans les cuisines, ouais, je vais faire ça. Bah, allez-y. C'est vrai que ça peut être bien pour les loups. Vous me les gardez 2 secondes? Bien sûr. Du coup, je vais utiliser ma prestidigitation pour faire une sorte de odeur que les loups ils aiment bien, de sang peut-être, dans l'enclos, de manière à ce qu'il reste dans l'enclos. Et vu que ça dure 1 heure, je pense qu'en 1 heure, il a le temps de ramener la carcasse. Du coup, oui, non, même on la ramène la carcasse. Bien. Capti, venez avec moi, vous devez vous excuser auprès de la propriétaire du cheval. Ouais, enfin, je suis pas habillé, mais... Ouais, j'arrive. Allez, on y va. Avant de partir, prenez le cadeau. Ah, oui. Cadeau. Qu'est-ce que je vais offrir? J'ai des carottes, j'ai des patates. Une salade. Je suis sûr qu'elle en sera ravie. D'accord. Du coup, tu vois, il part chercher une salade. Il revient. Il la nettoie un petit peu, tu vois. Bien. Bon, on y va? Allons-y. Ouais, tu vois qu'il est effectivement heureux d'amener une salade.